Mais c'est aujourd'hui le point où cette histoire réintègre la Terre et se fait paysage. C'est l'endroit où les actions, les amours et les haines qui ont jadis habité tout cela ne sont plus qu'un grand livre immobile auquel s'arrachent l'une après l'autre des pages de grès, de calcaire ou de schiste. Sous les docks, en lusis et l'aim dels felibres. Ce qui est important, je crois, que c'est de continuer sans savoir. Parce que dès qu'on fait un processus intellectuel, je pense qu'on passe à côté, quoi.